Initiating system 1. System 1 loaded. Hey hoyo, c'est Gunshow. Et aujourd'hui, c'est de retour sur un devlog de Rust. Le devlog 96 qui est sorti le 4 février, donc on va dire hier. Donc voilà, alors il est enfin sorti. Comme vous voyez, on va dire l'image de l'entête du devlog. Apparemment, ils ont ajouté, on va dire, les seuls grillages, enfin grilles. Et tadam, il y a ça qui est intéressant. La trappe, enfin, la trappe. Je pense qu'elle est là. Donc en gros, voilà, maintenant on peut faire une sorte de prison, on va dire, de la tête aux pieds. Donc ça peut être pas mal, même faire des constructions comme ça, je sais pas, ça peut être intéressant. Donc voilà, hein, donc là ils disent que les trappes échelles sont enfin bref, c'est la traduction Google Chrome. Mais en gros, ils sont rajoutés ça. Ils ont rajouté les cadres de plancher, enfin ben, ceux-là qui sont là. Donc voilà, après le jeu est maintenant 66. Ouais, 666% plus sinistre, ok. donc voilà, serveur suivant mis à jour. Donc nous allons peaufiner, progène un peu. Il n'y a que les infos sur le pro. Ok. Et aussi, il parle un petit peu sur le niveau de l'XP. Donc voilà, il y a beaucoup plus. Donc voilà. Donc là, il y a une nouvelle musique. Ok. On va ouvrir ça à côté alors. Donc ça, c'est le site, on va dire, de SoundCloud, où il y a tous les sons. Donc là, ça c'est le nouveau son qu'ils ont rajouté. Bon, je vais pas tout faire écouter, hein. Mais bon. Bon, après c'est toujours le même son, pas à peu près. Je vous laisserai regarder. donc voilà. Donc ils passent du temps sur la musique. Je peux le link, ok, d'accord. Donc ça, à mon avis, ça va être plein de musiques qui vont peut-être rajouter dans des zones, on va dire, peut-être de la map ou autre. Je sais pas, peut-être, on verra bien. Mais ça peut être intéressant. Donc après, on fait la physique de la mise à jour. Ok. Donc en gros, c'est pour l'Unity, ok, d'accord. Donc c'est bon, pas mal, enfin du moins, s'ils peuvent améliorer, on va dire, entre guillemets, la stabilité du jeu, ça serait pas mal. Editor serveur, ok, ça c'est pour les gens qui hébergent, à mon avis, enfin ceux qui ont un serveur. Ok. Donc ça, enfin, après ça me concerne pas, on va dire, vu que ça c'est pour uniquement pour les, on va dire, les gens qui possèdent un serveur. Mais bon, ça peut être utile, franchement, le test editor. En gros, ils pourront tester le serveur, on va dire, avant de l'envoyer. Ça peut être pas mal. Ok, ergonomie de cadre pour plancher. Ok. Et ah oui, comme ils ont rajouté le plancher en métal, ils ont dû faire en fait des cadres pour le plancher. Logique. Ils ont fait des cadres, on va dire, pour les ouvertures double porte. Donc il faut bien qu'ils, enfin, double porte et les murs. Donc ça peut être pas mal. Donc c'est utile, voilà. Donc voilà, ils ont rajouté ça, ok. En plus, apparemment, il y a plus de stabilité. Ok, plancher, cadre même ne sont pas un point faible par rapport aux étages. Ok, donc en gros, c'est bien. Apparemment, ça sera sécurisé. Donc voilà, déjà, c'est pas mal ce qu'ils ont rajouté là. Donc voilà, donjon et art. Ok, enfin, je vais ouvrir ça dans les poches. L'autre poche. L'autre, on va dire. Anglais. Pourquoi je dis push? What? Bon, c'est pas grave. Donc voilà, normalement ils ont ajouté ce style, comme ça. Franchement, je trouve que ça habille mieux les parties, parce que c'était un peu, comment dire, détexturé, voilà. Et c'était, voilà quoi, c'était moyen quoi. Mais là apparemment ils ont ajouté des cochonneries, on va dire, des débris. C'est pas mal comme ça. Donc après aussi ils ont rajouté du moins les murs en béton, voilà, enfin ouais c'est du béton normalement. Donc ça ils ont rajouté, c'est pas mal, pas mal du tout quand même, ça fait plus propre. Après ils ont rajouté aussi les grilles apparemment ici, ceux-là, c'est ça qu'ils ont rajouté.
Donc voilà, maintenant c'est un peu mieux fait, je trouve. Du moins, c'est plus un tout bordélique qu'on avait. Enfin, sans texture. Bon, là, bon, c'est ça avance. Ça, je vais fermer. Donc voilà. Ok, donc maintenant c'est la stabilité sérialisation. En anglais, ça veut dire quoi? Ouais, c'est bon, c'est ça. Alors, construire la stabilité sérialisation et maintenant, ce qui signifie pour vous, serveur redémarre beaucoup plus rapide. Oh! Ah, ça c'est bien ça! Le serveur redémarre plus beaucoup. Enfin, redémarre beaucoup plus rapide. Ok, d'accord. Il améliore aussi la performance de la stabilité actualisée lors de l'exécution depuis que je me sens débarrassé d'un groupe de tête. Ok. Why? Refresh, runtime, science. Je suis très mauvais en anglais. Oh shit. Bon, bref, j'ai pas très compris, donc j'espère que vous comprendrez ce qu'il veut le dire. Que la stabilité terminée plus rapide. L'effet sur le pourcentage de la stabilité du bâtiment négligeable, de sorte que vos dessins vieux de base fonctionnent toujours. Fonctionnent toujours. Ouais. Vos dessins de vieux base. Design, peut-être. Votre ancien design de base. Ah, peut-être qu'il parle pour les bâtiments. Ouais, on verra bien. Allez, enlève-toi, toi. Donc, alors après, c'est modèle conditionnel 2.0. Ok, pour les collisionneurs. Quoi, ça va. Ça, c'est. Je crois que c'est collision avec les objets et tout à l'intérieur, je crois, du jeu. Enfin, je pense. C'est peut-être ça. Au pire, mettez-le en commentaire si je me suis trompé ou pas, mais normalement, je crois que c'est pour tout ce qui est ça, normalement. C'est tous les modèles, enfin, tous les. Comment dire, tous les objets, toutes personnes ou animaux, je crois, pour les collisions. Enfin, je pense. Enfin, bref. Je pense pas que c'est ça, mais bon. Enfin, je suis pas sûr. Je suis indécis. Après, on continue avec le serveur Linux. Ok, ça c'est pour les gens qui ont, on va dire les PC de riches, voilà. Les Mac, donc voilà. Ça me concerne pas trop. Moi, je suis un peu sur Windows, donc voilà. Donc après, il continue avec le tweak de vêtements. En gros, il repasse, on va dire, au crible tous leurs vêtements pour les améliorer, pour bien que ça correspond à un vêtement sur un corps. Parce que des fois, on voit des particules un peu partout. Donc là, je sais pas, je peux ouvrir tout ça. Ok. Donc voilà, normalement, c'est un peu mieux fait. Enfin, ça, on va dire, ça colle plus au personnage, je pense. Du moins, c'est mieux fait, quoi. Enfin, mieux fait. Ouais. Il y a moins de particules qui se chevauchent, on va dire, au niveau des habits. Comme celui-là, là, par exemple, là, je sais pas pour vous, mais à chaque fois, on voyait le bandana qui chevauchait, je sais pas quoi, avec, enfin, du moins, avec la chemise, quoi. C'était pas vraiment super. Donc voilà. Aussi pour ça, cette tenue, je sais pas si vous voyez, mais cette tenue, non, à la base, elle est toute pourrie. En fait, tous les habits se entremêlent et ça fait un truc bizarre. Donc là, franchement, c'est pas mal. C'est une femme ou c'est un mec? Je crois que c'est une femme, ouais. Quoi? Non, je sais pas. M'interroge. Comment est-ce qu'ils ont rajouté les filles dans le jeu? Je pense pas, mais bon. Donc voilà. Donc après on continue avec le shader 2. Standard. Ok, enfin. Ils sont plus rapides que certains. Ok. Élimination certaines contraintes que nous avons devant nous. Ok. Des marques et des communes de bâtiments, de l'entrepôt, amélioration de performance et de rendu, de raison d'élimination des indésirables ou retentantes shaders encombrants. Ok, en gros, il parle de shader. De toute façon, c'est les shaders 2.0. Ouais, peut-être qu'ils améliorent les shaders en fait pour les particules, je crois, c'est ça, dans le shader normalement. Donc, ouais, s'ils améliorent ça, s'ils peuvent le régler, ça serait pas mal. Comme ça, on pourrait regagner des FPS, ça va être pas mal du tout. Donc voilà, après procédural génération Tweak. Ok.
Ok, j'ai tordu quand il tape. Ok, ils ont un peu, on va dire, revu la pro. Enfin, tout ce qui est génération, on va dire, de rochers, de terrain et tout. Les buissons et tout pour bien les faire, en fait, bien les positionner apparemment. Bien les regrouper, si j'ai bien compris à peu près cette chose là. Enfin, ce qu'ils ont écrit, qui a été écrite plutôt. Donc voilà. Donc maintenant, on passe à le tompe applique, ok? Je crois qu'il parle d'une lampe. Ouais, c'est une lampe qu'on peut mettre au mur, je pense. Enfin, alléluia quoi. Ça va être une boîte de thon. Ok? Donc voilà. On va voir ça, qu'est-ce qu'il raconte. Ok, il parlait de. Ah ouais, cette image, je l'ai déjà vue. C'est une image qui représente une sorte de bougie, on va dire. De première nécessité, on va dire, avec du métal, du bois, ok. Donc c'est pas mal s'ils mettent ça en jeu, ce serait pas mal du tout. Ça ferait une option à la lanterne qu'on a déjà. Du moins, et c'est là on pourrait la poser contre les murs. Donc déjà, ça peut être un bénéfice. On va dire c'est pas mal. Donc voilà, il parle de ça, tac tac. Ok, mais je crois pas qu'elle y est dans le jeu, mais bon, on verra. Genre, enfin, du moins, je verrai avec vous quand j'irai sur le jeu pour vous montrer ce qui était vraiment rajouté et tout. Donc, elle ressemble à ça. Ouais, assez bien fait, je trouve. Donc, voilà. Bon, après, c'est une boîte de thon. Je pense qu'il faudrait ramasser une boîte de thon consommée, à mon avis, pour pouvoir la fabriquer à tous les coups. Ce serait pas mal. Bon, une fourchette. Là, une fourchette. Ok, d'accord. Ouais, c'est une fourchette. Avec du scotch, je pense. Non, c'est pas du scotch, c'est des parties de métallique avec un coude. Enfin, non, pas un coude, non, plutôt. Enfin, bref. Bon, ben, c'est comme les rôles, quoi. C'est première nécessité, quoi. Donc, voilà. Donc, après, on passe à des objets plaçables qu'on pourra avoir, apparemment. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Un pic avec des crânes. Parce que, franchement, quand on tue des mecs, on sait pas quoi faire des crânes, à part les exploser pour récupérer de l'os. Mais ça serait. C'est quand même morbide quand même, n'empêche. Vous mettez ça devant vos maisons et tout, tranquille comme ça fait très morbide. Ça va être pas mal. Bon après ça, je vois pas trop. Peut-être pour utiliser ouais, comme cible, on va dire pour apprendre à mieux viser avec l'arc, ça peut être sympathique, ouais. Ah ça c'est pas mal franchement. Ça pour pouvoir récolter, on va dire, des ressources, style tomate, on va dire. Ça serait pas mal ça. Ouais. Des cibles, ouais, ça c'est pour s'entraîner pareil que. Enfin ouais, pour l'arc. Ouais. On peut faire de la musique dans le jeu. Avoir un poste musique. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les vieux disques vinyles, ouais. Ça peut être utile, ouais. Si on veut faire de la musique. Si on se fait repérer notre base à des lieux. Bon, il faut que la base soit bien protégée, par contre, pour le maître. Parce que là, comment dire, si la musique s'étend tout très très loin, hein, c'est pas mal. Mais dangereux. Donc voilà, après, hop, il y a cible, réinitiation, concept. Ok. Bon, ça, c'est des concepts. Ils sont pas encore mis en jeu. Ils sont en train de travailler dessus. Apparemment. Donc voilà, ça, c'est une cible. Apparemment, si j'ai bien compris, en fait, on tire dessus. Ça tombe. Et après, ça fait revenir à l'état normal. Un peu des cibles automatiques, ouais. C'est ça. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Ouais. Donc voilà, après on passe avec le système XP qu'ils aient parlé un peu plus haut, qu'ils allaient expliquer un petit peu les choses. Donc voilà, on va dire que vous allez lire. J'ai lire dans ma tête. Ok, en fait, non, je vais plutôt vous expliquer un peu entre grandes lignes ce que j'ai compris. En gros, normalement, pour le menu, le craft, on appuie sur table. Sur table, et ça ouvre tout en fait. Que là, normalement, bientôt, je pense que ce que j'ai bien compris, c'est qu'il faudra appuyer sur Q pour la touche, on va dire, qui amène au menu
de craft. Donc en gros, ça sera ça. Donc voilà. Donc ouais, c'est ça en fait, en gros, qui si j'ai bien compris, c'est au milieu en fait, il parle de ça. Au milieu ici. Donc voilà. Donc en gros, il prédit que c'est une bonne chose pour le système d'XP en tant que développeur. Ok, d'accord. Donc apparemment, ça a l'air pas mal. Et après, ouais, nous voulons dire, hey, vous avez tué un joueur, moins 10 XP. Mais nous pouvons trouver des moyens de récompense. Le contraire. Ok. Un exemple, c'est qu'il passerait si vous fabriquez un objet et le CD, obtenez XP lorsque la personne utilise. Soudain, les naquettes qui peuvent pas craft sont utiles pour vous. Ah, pas mal ça! En gros, faire marchand, en fait, en gros, c'est bien ce qu'ils ont mis. Vous savez, dans la mage dernière, ils ont ajouté un comptoir, on va dire, avec une porte. À mon avis, ça sera utile. Bon, vous mettez ça, hop, dans une zone, hop, vous dites là, c'est commercial. Donc voilà, tous les naquets, les mecs à poil, venez ici. Je vous passe des ressources, je vous donne un objet fini, et avec ça, vous pourrez me donner de l'XP. Ça peut être une idée pas mal. Je sais pas, ça peut être utile. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal du tout quand même. On va bien s'amuser s'y mettre ça. Donc voilà, après, donc là c'est le changelog. Ouais, c'est ça, changelog. Donc en gros, ils ont ajouté les sons ajoutés pour les nouveaux éléments de construction, c'est-à-dire les portes, double porte là, qu'on avait. Ils avaient pas mis le son en fait avec, maintenant ils l'ont mis normalement. Bon, les heures de guide placard fixé, je sais pas quoi ça correspond. Point plus icône construction, maintenant le bon dossier, ok. C'est quoi ça? QI test. Ok, removed QI test. Ouais. Je vois pas ce que ça veut dire. Peut-être QI, il parle. Je sais pas, bref. Bon, après optimisation de la back-end réseau, je sais pas à quoi ça correspond. Bref, je crois que c'est avec le réseau. Donc ça c'est new floor frame. On va dire le grille et le hatch. Ça c'est le sol grillage avec la trappe. Ça c'est fait. Donc là il y avait de l'eau hein, apparemment qui était un bug. Donc ça c'est fixé. Entrepôt fixé, étage décalque. Ok. Ok, réduction du temps de mémoire de 144 mots. C'est pas mal ça. Du moins, ils réduisent un peu pour la mémoire, donc ça fait du bien à nos FPS normalement. Enfin, du moins, on a un peu plus, je trouve, avec ça normalement. Donc, tous les collectionneurs, ok, d'accord. Load, équilibrage de charge. Mise à jour de la physique reste appelée à la nouvelle API unité physique. Ouais. Donc ça, je crois que c'est pour l'unité. Unité, enfin, oh ouais, c'est pour ça. Ok, d'accord. Suppression, suppression, suppression. Merde. D'un pire cas deuxième, raycast dans le code de trace de jeu. En anglais, qu'est-ce qu'ils disent? Removed a rust case, second raycast in the game. Trace code. Désolé, j'ai un accent pourri en anglais. Donc voilà. Mais bon, bref. En fait, ils ont refait une case. Ok, d'accord. Bref, j'ai pas très compris. Fondation fixe, placement d'escalier, temps bloqué. Ok, d'accord. Côté triangle. Il y avait un bug avec ça, donc là ils ont fixé. Fondation de placement de triangle. Ok. Donc ça ils ont. Ouais, j'ai pas vu ce problème avec les triangles quand j'ai joué la semaine dernière. Bref, bon, apparemment ils ont réglé un problème comme ça. Ajouter stabilité de bâtiment sérialisation. Ok, donc redémarrage du serveur et puis rapide et stabilité et actualisé. Donc ça, c'est un très bon point parce que je sais pas pour vous, mais quand le serveur redémarre, il est un peu long. Donc là, ça c'est bon. Donc, assignation, ok, d'accord. Réparation tordue, hein? De rochers et de buissons. Ah, répartition, voilà. J'ai mal lu. Enfin, réparation, hein, en fait. Ok, ils ont réparti les rochers
rochers et les buissons. Donc c'est pas mal. Donc voilà, donc je pense que c'est tout pour ce devlog. Il est un peu petit, je trouve. Mais bon, c'est déjà pas mal ce qu'ils ont rajouté, quand même, je trouve. Bien, le plus important pour moi, c'est le sol en grillage et on va dire la trappe, enfin. Donc on va construire des trucs intéressants aussi, peut-être qu'ils ont, on va dire, mis des choses comme ça, enfin, qu'ils ont texturé, on va dire, les zones donjons, donc c'est pas mal. Donc voilà. Bon, ben, on va passer sur le jeu, hein. Je vous reprends dessus. À tout à l'heure. Et voilà, enfin, je suis sur le jeu. Oh, pétard! Non, vous voyez ça? J'ai 55 FPS! What? 58! C'est magnifique! Oh my god! C'est chelou. Donc voilà, on va dire ouais 45, ouais ça dépend. Ça dépend la zone, ça dépend où je suis. Parce que j'ai baissé un peu les graphismes, on va dire, de mon jeu. Donc ouais, j'ai un peu réduit les choses. Bon, après, je sais pas. Et je trouve qu'il est quand même beau, donc je peux jouer quand même. Donc ça me suffit amplement, on va dire. Donc voilà, donc on n'est pas là vraiment pour améliorer, on va dire, admirer plutôt le paysage, mais bon, quand même on admire le paysage quand même, c'est toujours aussi beau. Malgré que j'ai baissé le graphisme. Donc voilà, tant que je peux jouer avec, ça me suffit amplement. Je suis quand même à 42 quand je marche, 45, perso ça me va amplement pour jouer. Donc voilà, je sais pas comment vous avez vu, enfin, ils ont fait une petite mage la dernière fois. C'était pour remettre les tout ce qui est lootable comme ça et mettre une nouvelle gueule des choses, c'est-à-dire des blocs, on va dire la Minecraft, on va dire entre guillemets, on va pas se mentir, c'est un peu ça, c'est des blocs des blocs de ressources naturelles, on va dire, déposés comme ça. Donc voilà, alors on va aller tout de suite en tab, on va voir s'ils ont rajouté dans la tab. Ok, ah mais non, je vois que dalle. Ça. Donc ça c'est pour la tab, ok. Ok. Voilà. Alors ils ont rajouté, on va dire, mais Afro Grill. En gros, ils ont rajouté le sol grillage. Pourquoi mon jeu n'est pas en anglais? Enfin, il est en anglais. Alors moi, ce qu'ils ont pas encore. Ah non, ils ont pas traduit. Ils ont pas encore traduit. Ok. Donc là, il y a toujours ok ça. Ok, d'accord. Toujours les portes blindées. Tac 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 tac, ok. Ça ils l'ont laissé, ok. Donc tout est là, ok. Oh, pour les habits ils ont pas trop changé, ok. Enfin si, ils ont changé le niveau texture et tout. Donc voilà, tac tac, ok. Donc ouais, ils ont réutilisé ou quoi? Ils ont réutilisé les... Ah, ils ont tout réutilisé, ça c'est bien ça. Apparemment ça a été tout à 7, donc ça va, ça le fait. Bon, je reviendrai jouer un peu plus tard je pense, faire ma base avec on va dire ma team FMS. Voilà, donc, ça va être pas mal. On va se construire une base en fonction avec les la trappe, parce que la trappe franchement ça va nous aider franchement bien pour construire une base comme on veut. Donc, voilà, donc je vous montrerai peut-être ça en vidéo, je ferai une vidéo spéciale. Donc voilà, donc quand même, ben pour, je pense qu'il faut un peu plus, je vais quand même regarder avec un plan. Ok.
ça. Bon, c'est bon, j'ai assez de bois. On va faire un papier. Je vais quand même voir au niveau du plan. Bon, la touche Q en fait, moi, serait plus A ou E, je pense. Mais pour l'instant. Ok. Ok, d'accord. Ouais. Pourquoi mais. Attendez. Tant que ça se craft, hein, je peux aller voir les options. Ah, non. Entrée, voilà. Avancer. Moi je veux que ce soit que Z. Hein. Gauche, c'est Q, voilà. Sauter, attaque principale, ok, donc c'est bon, ça a rechargé, ok. Inventaire. Non, apparemment. Apparemment, c'est bon, ils n'ont pas encore ajouté. Ok. Ouais, c'est tab. Tab pour. Ok. Je préfère mettre ça à une seule touche, ça. Oh, je me perds. Donc voilà. Donc là c'est bien ça. Ça ça bouge pas. Ok, ça va. Donc le papier est fini. On va faire ça. Tac. Parce que là comme il est là le flou, enfin le sol de ça, il est là. Là on voit là il y a la trappe. Donc elle est bien mise en jeu. Donc il faut 150 bois, 300 fragments de métal. Ça va. Ça va, c'est correct on va dire ce qu'il demande. Dommage, je pense. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait d'autres types, on va dire, de floor. S'ils ont fait d'autres ou pas. Je vois que celui-là. Et moi, ce qu'il y a les plans. Je vais quand même appuyer sur F1 pour voir ce qui a été ajouté à côté. S'il faut le plan. Pas ça, ok. Alors, construction. Alors, non, il y a que celui-là. Bon, il y a ce gris qui va avec celui-là. Bon, c'est déjà pas mal ce qu'ils ont jeté quand même, enfin après c'est mon avis, mais je veux dire, c'est pas mal pour construire, déjà c'est une bonne base pour construire des trucs intéressants. Bon, après il y a rien d'autre qui était rajouté, si j'ai bien lu le devlog. Ils ont fait quelques correctifs un peu partout, donc voilà, c'est déjà pas mal. Oui, je voulais regarder un truc. Ok, donc voilà. Alors, ben c'est là. En fait, il faut, je sais pas, j'ai pas assez de bois, mais par exemple, on construit une fondation. Après, vous construisez carrément, on va dire, des murs. Et après, donc ça, ben, vous mettez au-dessus. Et avec, on va dire, ben, quand vous avez de quoi pour crafter ça, ben, vous le craftez et vous le mettez dessus, tout simplement. Bon, il y a toujours ça là de base. Mais bon, si vous voulez faire des grilles, sur de grilles, vous pouvez avec ça. Donc voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout. Donc voilà. Bon ben, je pense que je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Je vais vous dire à plus tard pour le devlog 97. Donc voilà, c'était Guncho. Bye bye.